Salut tout le monde, c'est Tornado et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 13 pour une petite vidéo instruction aussi, on va dire, dédicace à tous mes abonnés et je vais vous présenter ce FIFA 13. Donc tout d'abord je vais vous remercier tous et toutes qui me suivent depuis bientôt 4, 7 mois déjà, et oui 5 mois. La chaîne s'est créée le 28, ma première vidéo est sortie sur un petit peu après, même un petit peu avant dans le micro. Donc maintenant vous êtes 25, 26 abonnés. Beaucoup je les connais, ils sont soit dans ma vie, où j'ai côtoyé tous les jours, soit sur le live avec l'Xbox. Et il y en a d'autres comme je ne vais pas les citer parce que ce serait, je vais faire leur accord, ce serait peut-être impoli d'en citer qu'un ou deux. Je connais pas et voilà, ça me fait vraiment plaisir de savoir. Les personnes qui me suivent. Et voilà. Donc je vous remercie tous et toutes. Je vous aime bien. Alors, donc ce FIFA 13 n'est niveau qualité les meilleurs, je trouve, que le FIFA 12. Malheureusement, les bugs de collision sont toujours aussi chiants. Toujours aussi chiants. Aussi, ce que je déteste, c'est quand je prends des joueurs assez rapides, par exemple Ribéry ou Cristiano Ronaldo, ou encore un autre comme vous voulez, des joueurs assez rapides qui sont rattrapés par des tuyaux, des Alex, ça me saoule. Donc voilà, j'étais un peu obligé de modifier quand même ma barre d'accélération, ma vitesse, pour que ça devienne un peu plus réaliste. Ça me pétait un peu les couilles, quoi, quand même. De toute façon, vous le verrez bien. Donc là, je vais charger une partie que je vais faire parce que juste avant, j'avais commencé à faire une vidéo. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, j'avais commencé une vidéo juste avant, avec l'ASM, la semaine à court. Et j'étais en train de trouver des joueurs. Assez bon, enfin assez bon, on s'entend bien hein. Et non, ça passe se garder, c'est un deuil. Bon, on repart au premier. C'est Career Manager, vous l'avez pu le deviner. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai rien. Bon, on repart de rien, c'est tant mieux. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire, notamment dans les ventes de joueurs, ce que je vous conseille, ceux qui ont un petit budget, ceux qui ont un plus gros budget comme l'ASM en Ligue 2. Et voilà, bah, toi tu dégages, même si je t'aime bien dans la vraie vie. Toi aussi. Toi, tu dégages. Wolf, je vais te garder parce que j'ai un ami qui porte ce même nom, qui regarde toutes mes vidéos, qui s'appelle XWolf31. Je te dédicace ce personnage. Même si tu te ressembles, pas du tout. Non. Ah, ça me fait un peu chier quand même, je vois 1 100 000. Bon, je vais le garder. Ah, toi tu dégages. Toi tu dégages. Là, tu restes. Ah non, lui je peux pas le vendre. Mais je garde, lui je le vends. Lui je le vends. Toi je te garde. Toi je te vends. Je sais pas si j'en ai deux. Mais je sais que je l'ai lui aussi. Je sais pas si j'en ai d'autres. Je pense pas. Je vais le garder. Bah, je te vends. Bah, on verra bien. lui ça sert à rien, il faut le mettre en prêt. On est déjà deux à son poste. Ça sert à rien de tripler les postes. Les deux qui sont à son poste, c'est Carrasco et Postumpos. C'est deux jeunes joueurs qui sont sûrement. Putain, je suis Ligue 2, putain, pour ma part. Après, il y a d'autres joueurs qui sont pas au même boss, mais que je considère comme vraiment pas mal. Comme une Bula à Gengang qui est vraiment une révélation cette année. D'ailleurs, je le prends assez souvent. Je ne pense pas avoir assez d'argent pour le récupérer, mais c'est une bonne opération.
pas, parce qu'on passe face à eux. Vraiment deux bons joueurs. Je les aime particulièrement. Donc voilà. Allez, on va acheter quelques joueurs pour se faire plaisir. Alors j'achète surtout dans le championnat de France, parce que je joue souvent au championnat de France, dans le championnat de France, pardon, dans les liens. Et sinon dans la Bundesliga. Mais vraiment, la première ligue, je ne joue pas comme la ligue. Ça ne m'intéresse pas du tout. Bordeaux, c'est ici. Voilà. Donc là, on va récupérer le milieu central. Certifié, j'ai pas de conneries. Certifié. Voilà. Vraiment, j'avais pris parce que j'avais pas beaucoup d'argent la dernière fois, mais il y a vraiment une belle qualité de passe. Ça m'a étonné. Donc je le reprends. Ensuite, on va à Lyon récupérer des jeunes prometteurs qui ont déjà explosé. Je pense notamment à Grenier. Je pense aussi à Benzia qui va sûrement exploser l'année prochaine, là, dans 2014. J'espère. Donc Grenier, voilà. C'est un peu cher, c'est vrai, parce qu'il est 76. J'ai ajouté la liste. Donc j'ai pas beaucoup de fric, on va faire ça. Et il gagne un an, voilà. Et je te foutre mon pote. Et mon pote. Tour. Il va y avoir tout un but. Normalement, il devrait accepter. Grenier, je n'ai pas des joueurs assez puissants pour l'acheter. J'ai pas une puissance financière phénoménale, donc c'est étonnant que je puisse le prendre. On verra bien. Torchia est trop cher, il me semble. Dans les goals, il faudrait que je prenne le de son Lopez. Parfait. Je vais récupérer Lopez de Lyon en prêt. Ce sera parfait. Donc, Lopez. Lopez. Ça fera même approcher pour prêt, voilà. Soit c'est Lopez, soit c'est le gardien de Paris, là j'ai pas du son nom, comment il s'appelle? Le gardien de Paris, je m'en rappelle plus, avec une question de prince assez souvent, ça va peut-être me revenir. Le gardien de Paris, ça me revient pas. Si je pense souvent. Et voilà, Areola. D'ailleurs, je crois que c'est le gardien titulaire en équipe de France Espoir. Il est moins de 20 ans, je crois. C'est bizarre, je crois que c'est lui. Bon, j'ai une connerie, mais il me semble que c'est lui. J'ai regardé les matchs d'équipe de France Espoir, je crois que c'était bien lui pour prendre un cash. C'est vraiment une connerie, mais je suis sûr de ça. De quoi j'ai besoin là? Un second milieu défensif. Alors, on va passer par là, ce sera plus rapide. Non, passe court, c'est... Ouais, l'autre, je peux faire les passants. C'est pas un souci. Voilà, on verra bien. Allez, on va y arriver, je vous le dis. Alors. Un petit... 7 millions, c'était cher quand même. Mmh.
sais même plus où je l'avais récupéré, je sais où. Oh, c'est pas. Ah, c'est pas bon. Ah, on va passer pour voir ce que ça donne si des personnes qui veulent nous acheter, nous payer. Ah, ça se met bien, ça regarde bien. Allez, on peut pas passer, ça c'est chiant, on peut faire aïe. Ce spécial, par exemple, Y, continue à monde, puis c'est envie directement à ça. C'est vraiment beaucoup blabla. Alors là, on est au début, mais quand on a 4 petites pages qui nous arrivent dessus, c'est vachement chiant. Et d'ailleurs, je suis encore assez lourd. Il y a beau avoir du blanc au contour pour le cadre. C'est assez lourd, ces journaux, ces données. Sérieux? Alors je comprends pas. Hop. En fait, moi je suis pas quelqu'un qui veut jouer les gros ballons au milieu. Comme par exemple en mettant Bula, mais c'est un bon joueur, hein, c'est sûr. Mais c'est pas. Qui m'intéresse le plus. Je ne veux pas si c'est un connard. Mais c'est ok. Moi je suis plutôt. Je veux plutôt un milieu de terrain défensif qui puisse se relancer proprement. Comme le font un Bundesliga avec le Bayern. Ou encore Dortmund. D'ailleurs, les deux finalistes de Ligue des Champions. Je suis plus pour Bayern, c'est une équipe que j'aime particulièrement, j'aimerais bien récupérer et enfin cette putain de coupe qui mérite tant. Pourquoi pas être élu Ballon d'Or, c'est quand même un bon joueur, très bon joueur d'ailleurs. D'ailleurs ça fait plaisir de revoir un Français sur, au devant de la scène. Alors ironie d'histoire, vous allez me dire, ah il joue avec SM, comment on voit tous les problèmes qu'il y a en ce moment, voilà, il se permet de recruter, c'est pas très drôle. Ouais c'est vrai, ça pas très classe, mais voilà, il fallait bien que je fasse une petite vidéo FIFA avant que le 14e sorte. Et même si j'ai le temps ce soir au moins de fin septembre il me semble. Fin octobre. On aurait plus trop, il y a tellement de jeux qui vont sortir. Il y aura pas mal cette année d'ailleurs. Saints Row The World qui est sorti l'année dernière, donc Saints Row 4 qui va sortir cet été. Il y aura GTA 5 qui est un jeu que j'attends depuis presque un an et demi. Il y a quand même pas mal de joueurs de jeux que j'attends. Star 14, Justa, Assassin's Creed. Ça fait quand même pas mal. Ah ouais, merde. Donc vous voyez ce que je vous dis, les journaux qui sont vachement chiants. Putain, ça prend trop de place, c'est juste à fait. Vous pouvez foutre un truc là dans le stade de la saison ou dans le Joe Manager qui puisse nous montrer le courrier, mais vraiment là c'est chiant. Parce qu'il y a pèse lourd, hein, quand vous voyez, il y a des... tout ça. Sachant qu'en plus, quand vous... vous lancez le jeu, vous faites une cinématique. Vous voyez que le jeu est vraiment très très lourd. Et au lieu de faire ça, je pense plutôt que vous devrez l'alléger pour viser sur le meilleur qualité. Attends, la PES, elles sont 4-5 ans, je crois. Ils sont un peu partis, on va dire, ils sont plus tellement là. Et ils ont plus vraiment concurrence, ils passent. Ce qui fait que voilà, ils mettent. Mais pas la dose nécessaire à chaque nouvelle saison. Excusez-moi. Un peu fatigué quand même. Alors voilà, je te dégage un petit salaire. Nickel. Tant que j'y pense, ah, attends, toute ta gueule, hop, tant que j'y pense, après le du budget, ça va faire.
l'autorisation d'achat. De toute façon, on verra, pas l'option d'achat, sûrement pas. Tu transfères, j'ai un lieu forcé, j'ai ça, et pas un lieu gravement. Je sais, vitesse. C'est une petite vitesse et une accélération. Je me suis amusé moi avec la ICN à me construire une équipe 100% française. C'est un petit défi qui était assez sympa, qui était un peu dur quand même. Ouais, alors j'étais pas mal, j'ai une bonne défense, une très très bonne défense d'ailleurs. En goal j'avais Landreau, j'avais à droite j'ai Kachia, Koselny, ça fait, après il y a un choix de Porto, le défenseur de Porto, Mangala je crois. Là, mon genre. À gauche, j'avais mis un petit team, semble, de Lyon. En milieu, j'avais foutu Sertic et Gonalon. À droite, CV. Celui-là, voilà. À gauche, j'ai laissé. Non, j'ai pas laissé son poste. J'ai foutu. Comment ça s'appelle ? Gizal de Lyon, encore. Au milieu de terrain français, j'avais pris Grenier et en attaquant, celui qui vient de Toulouse, là, celui qui est venu à Monaco, qui était avant à Toulouse et avant à Saint-Etienne, là, j'ai perdu son nom et j'ai mis sur le banc d'Axel. Donc, c'est une bonne équipe, hein, j'étais vraiment fier de moi. Super facile de créer une très bonne équipe 100% française avec pas énormément de moyens. Mais j'étais content. Bah, je sais pas si vous entendez là, il y a mon père qui joue la perceuse, donc ça fait peut-être du bruit vu que mon ordi est par terre. Je suis désolé. Ce sont des dangers de la vie, ouais, bien. J'essaie de foutre l'ordinateur en hauteur. Ça, je sais pas si tu vois cette file. Oh, ça va être juste ça, dedans. Je sais même pas si tu peux m'entendre encore. En tout cas, je peux vous dire que ça va être très très juste. Hop, là, on va bien voir. Voilà, si vous l'entendez encore, la petite chose là, ça c'est chiant. Je m'excuse, hein, toujours. Je vais faire ce match et ensuite on partira en coup pour voir les cubes de ce fait. C'est quoi ce dispositif de qui nous a foutu l'autre? Là aussi. Et là, c'est une délite, hein. Je vais pas du tout ce mec. Ah, déjà, ok, je m'en fous. Ah, c'est. Ah, mais, moi, j'aime bien le mec là. C'est pas très très sérieux, c'est sûr, mais. Sur l'accélération que sur la reste je crois que c'est ça toi ça va pas ça, c'est une belle relance, donc pas sur ça peut encore aller un finger. Pas ça, pas du tout. C'est limite, hein. Quoi, ce bon, c'est bien. C'est pour mon équipe préférée, donc, il y a le silence, c'est la solution.
Voilà. Incroyable. Bon, déjà, bon, c'est un peu chiant, je suis désolé. Il faut bien ça. Ah, merci, c'est bien tout. J'ai confondu, je suis un gros con, un vrai con. Ouais, ça part plusieurs, hein. Ça peut être un bot. Je sais pas si j'en ai parlé déjà. Pour on est là ou on est là parce qu'on peut être bien à ce que voilà, on va passer comme ça. On a un droit sur le petit petit. Il y a un pilier, un truc important, la maison c'est aussi bon pour moi. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ça me permet de mieux jouer. Je vais faire ce match et parce que son siège va vers le mode de pute, c'est la finalité. C'est 11h12. Voilà, on va voir, c'est assez de temps. Et on le peut avec le pute de la personne, donc ça devrait aller mieux. Hop là. Ah, j'aimerais bien aussi que dans le petit 14 on puisse choisir l'arbitre. Ah ouais, les arbitres. Tu peux mettre des arbitres français ou tu mets des vrais arbitres anglais. Et retrouver les vrais styles de chaque championnat. Bah, donc le championnat anglais, je ne retrouve pas les plus dans ce club. Alors que dans les précédents, notamment FIFA 11, on le retrouve assez bien. Moi, pas. Là, j'ai toujours l'impression de retrouver le football français. Dans le championnat, tous les championnats sauf en Bundesliga où je retrouve le. C'est-à-dire. C'est le football total. Je suis un peu n'importe quoi, là je m'en fous littéralement. Ouais, ça je m'en fous. Voilà, Franck, installez-vous. Merci. Ah oui, ah, les commentateurs. Ah, j'espère qu'ils pourront les virer. Ah ouais, si vous faites plus de temps qu'on. Rivière. À l'occasion de ce match, nous retrouvons l'AS Monaco et on suit cette équipe dans son premier match de préparation. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais moi je trouvais que les joueurs n'étaient pas assez rapides. Je demande de savoir que Ronaldo Ribéry se fait frapper par les pieds ou Alex. C'est quand même assez incroyable quoi, quand même. J'ai un peu augmenté ma. Je sais pas où ça se trouve. Même avec l'âge à moi. Parce que j'ai mis un peu quand même. Un peu. J'ai laissé quand même pour ça, c'est vraiment plus beau. On va mettre 65. Peut-être les frappes, je les trouvais assez lentes aussi. Dans les frappes, parce que quand. Oh, ouais, on va mettre quand même un 40. Je sais pas. Un peu quand même. On va laisser une chance aussi à l'adversaire. Ah, parce que moi, j'ai l'habitude, moi, je serais vachement blessé. Donc, on va essayer quand je le garde. J'avoue, je suis un peu cheaté. C'est un peu cheaté, du coup. Ah, je sais un peu comment. Ah oui, c'est quand même, parce que je vous en parle. C'est très important ça. Parce que quand vous utilisez un joueur, et ça dépend. Bah, donc on a une grande endurance en langue, on va continuer à ce que ces courses soient plus longues ou plus. Il y a plus de courses dans le match. Avec visiblement, et dans ce FIFA, ça marche pas. L'objectif annoncé est clair, donc, on le sait, la montée. Pas en façon. Par exemple, la LED, pour moi c'est un joueur typique, il peut se faire des kilomètres en faisant des courses. Et il n'a pas forcément beaucoup dans ce. Magnifique dans sa construction. Et tout vient de cette passe décisive, en effet, c'est lui que la différence se fait. Et c'est donc l'ouverture du score. Là, je joue en pro. Avant, je jouais en vétéran. C'est un petit peu téléphoné à la passe. Je jouais au maximum sur FIFA 2, je ne sais plus quand ça se produit. Oui, il l'a trouvé. Je trouve ça c'est facile encore. C'est 0 à vie. Moi je vais pas trop encore sur le live parce que je trouvais que la connexion est assez désirée. Mais je crois que c'est amélioré. Donc FIFA 14 j'ai pris vraiment 9 pour. C'est un très bon ballon ça. L'occasion peut-être avec cette frappe.
Bon jaillissement sur cette passe. Oh, le petit. Et marque. J'espère qu'on pourra avoir plus de temps parce que c'est un qui est renié. Renié, c'est pas de l'adversaire parce que j'aime bien. Oh bien. Il est à l'interception. Il va prendre le ballon. Dans le contre, il faut aller vite maintenant. Il est passé. Ouais, ça combine bien pour Monaco. Donc tout droit, on a le bras du gardien. Il fallait sortir, c'est bien joué. Campos. Oh, il est bien donné ce ballon. Ça passe pas. Oh, oui, bien joué. Allez. Et deux joueurs à la lutte. Un tour de balle. Oh, il a commis la faute pour mettre un terme à cette attaque. Non, c'est très très dangereux. Parce qu'il joue rapide. Et bien. Il n'a pas pu contourner le mur. Allez, le coup. Il n'y a pas la vitesse. Oh là, c'est ça qui me fracasse. Ah, ils ont pas très bien joué le coup, les attaquants sur ce contre. Ils ont touché une balle, ils ont ces putains de joueurs avec leur vitesse, hein, largement les. L'entraîneur qui fait ses débuts avec son nouveau club. Les. Oui, c'est sa prise de fonction officielle, on va dire. Il va enfin pouvoir se rendre compte du niveau de ses joueurs. Il a réussi à passer. Ouais, bien dosé ce ballon. Ouais, la bonne occasion. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, poteau et le ballon qui revient en jeu. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se mettre sur son bon pied? Si, mais en avait-il la possibilité ou la lucidité, hein? Une fois français, ça va me permettre de faire un meilleur jeu de passe. Pour ma part, c'est une autre impression. Et le ballon qui revient dans les pieds des Monégasques. Ah, un tout court. Ouais, moi, c'est un peu de collision, vous voyez, c'est n'importe quoi. Putain. En retrait pour le gardien. Ah oui, parfait. Quand il y a par exemple deux joueurs. Là, on parle de faire, c'est vrai, le joueur. Mais on ne peut pas sélectionner le joueur qui est le plus proche du ballon. C'est dangereux, on peut le sélectionner. C'est vachement mal foutu. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention. Des jeux de tête, moi, je trouve ça un peu abusé. On va faire l'ordinateur. Je vais descendre, c'est une fois sur 10 que j'arrive à récupérer la balle. Je sens pas assez souvent, regardez bien. Voilà. Sur l'ordinateur qui arrive à dégager. Ça me compte à la remarche, et ça se fait au fond. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Très belle action, bonne équipe du jeu. Voilà. Et on sent que c'est une action travaillée avec beaucoup de complicité entre le frappeur et le réceptionneur. La période qui vire à la démonstration. C'est quoi ce contrôle? C'est finalement la défense qui a le dernier mot sur ce contre. J'aime pas trop les mecs qui font du gris-gris comme ça, les passants de sorte, pas du tout. J'étais plus à l'aise dans le panneau qui nous. Ouais, on prenait du plaisir à faire ces gris-gris. C'est vraiment facile. Parce que je m'amusais à faire des sombreros à chaque match. Mi-temps ici, les sponsors, ça c'est un peu. Le match n'est pas complètement pillé. C'est assez marrant. Que dire de cette première c'est complètement à côté de son sujet. Face à un adversaire qui a bien sûr profité. L'ambiance au vestiaire va être pesante et ça ne nous tombe pas. C'est ça que vous voyez jamais en faire des changements tactiques. Quand j'en fais, c'est vraiment. Je suis obligé de passer l'adversaire. Moi je peux jamais. Un bon jeu de passe, une bonne accélération, ça suffit simplement à en passer pour ma part. Oh là là, n'importe quoi, regardez-moi cette passe. Hein. Il est sur la trajectoire. Attention au contre. Regardez-moi ça. La belle passe. Après, on dit que les joueurs sont surcotés, mais j'ai l'impression qu'ils sont largement sous-côté. Hein.
Grégory Sertic. C'est peut-être lui, hein, le joueur à surveiller de près. Il est en forme, en c'était quoi ça, ah, passe, un tir, une frappe de loin, mais c'est pour le gardien. 4 500 pour la sortie. Ça, là, absolument. On voit le niveau qu'il a. Et encore un but, la différence est faite maintenant. Justement, je suis la liste en général. À Monaco, c'est spécial. Mais bien joué le contre, c'était pas fini. Et qu'ils ont plus de chances à fuir les investisseurs futurs que les invités. C'est un coup. Rivière. J'espère qu'il passera pas, il redeviendra pas président. C'est un peu la panique, mais il dégage. Pas si bon que ça, ce dégagement. Un peu marre de diriger par les coups. Oh, la tête et le bon placement du gardien. Ah, il y a un truc positif aussi dans ce FIFA, les arbitres. Les arbitres de la Ligue 1, enfin, comme dans le championnat, la 13, sont aussi merdiques qu'en vrai. J'ai l'impression de retrouver les vrais arbitres de la Ligue 1. Oh, s'il passe le gardien. Attention. Ah, ils ont un peu amélioré le. Pas d'où je vous prenais en jambe. Pourtant. J'en prendrais 3 par match. Vraiment, c'est un peu obligé de choper un adversaire. Ah oui, et le temps de. Pour laisser le jeu, c'est de. Oh, le danger dans la défense. Chez Lia. C'est 3 passes. Complètement raté cette tête. Et nous, ça passe très bien. C'est une passe en moyenne, 2 passes. Il y a moins de temps de jeu qu'on a eu. Allez, changement dans. Changement aussi. Là, j'ai son équipe. Je sors et la pinche à. Leur ami. Et c'est ça. C'est le joueur qui nous est prêté. C'est quel joueur déjà j'ai vu qui pouvait faire une défense. Ah mais c'était lui. moi je ne sais pas s'il n'y avait pas une défense bien sûr. Mais je vois mal faire une défense là. Il est gaucher, il veut faire droite. Il faut qu'il est droitier et il va à gauche. Que lui pour que ce soit son fils. C'est pas mal. Et on coûterait un petit gars parce qu'on est un peu plus fou dans la tête. On va mettre ça sur le mur. Dans voilà. Quelques instants. Donc on verra bien ce que ça donne. Mon dieu. Bon, je sais pas si vous m'entendez aussi bien là. J'entends pas les passes à l'ordinateur, c'est peut-être pour ça que vous m'entendez mieux. Trois changements en même temps. Bien assez loin là, j'ai remis assez loin pour pas vous attendre à perceuse. Ah, il y a des jours où j'ai envie d'étriper mon père quand j'ai pris 6% et je fais une vidéo. Et là non, je suis sur la perceuse et je vais participer dans la vidéo moi aussi. Bien donné, ça peut donner quelque chose. Ouais, bien défendu, attention, c'est pas terminé. Bientôt aussi, j'ai essayé de renommer ma chaîne, je ne sais pas vraiment rien. J'essaierai de la renommer avec un nom plus claquant. Pour faire une introduction plus claquante aussi. Voilà, pour essayer de la rendre un peu plus jeune, plus à mon image. L'entraîneur qui choisit de procéder à un changement. Ouais, des vidéos de meilleure qualité. Là, c'est vraiment une vidéo parce que très peu de personnes que je connais. Il y a eu de cette rencontre qui n'aurait été qu'une formalité en fait. J'en ferai aussi une de BF3, là c'est un peu dégoûté d'apprendre que BF4 sortait, c'est pris un peu de cours.
Ça, je vous l'annonce, mais malheureusement, on a pas tout froid, mais la vidéo, c'est 1h30 et quand c'est Plus, New Vegas, tout ça, mais voilà, c'est vachement trop long. Ouais, je trouve des petites parties qui soient sympas. Oh, c'est bien parti! Le but! Je crois qu'il n'y a plus de contestation possible. La forme n'est pas là entendue. Oui, je ne sais même pas si un miracle suffirait. Ah, le score qui est à présent de 5 à 0. Ça va être dur, ça va être dur de s'en remettre. Attention dans la surface. Et la voilà, la frappe. Un en ballon contré. Oh, regardez-moi, c'est un qui sont plus de se débarrasse. Hop, putain. Et voilà, c'est la fin de la démonstration. 5 ah, ce que j'aime pas du tout. C'est une correction. Je veux préciser, c'est qu'au fur et à mesure que la carrière avance, cette rencontre, j'aimerais bien que les joueurs prennent des automatismes. Qu'ils soient, on va dire, automatisés par un style de jeu. Bon, je prends des jeux basés sur les passes, sur les passes de profondeur, notamment. Et c'est un jeu assez intelligent. Et j'aimerais bien que ça fasse pareil. Ça serait sympa. En tout cas, je regarde la qualité de l'image, je la vois pas trop mal. La son, bien sûr, va être un peu à chier, je pense. On verra bien. L'ordinateur n'est pas en face de moi, comme je vous dis. Ce sera logique. Donc voilà, on va s'arrêter là. Pour le mode carrière, je précise. Alors ouais, ça sauvegarde et un géo. Comme on en a dit par terre, parce que là, il n'y a plus personne, c'est bon, ça s'est arrêté. Et je vais reparler en après. Donc là, saison, c'est le mode en ligne, je ne peux pas vous le montrer. Ultimate Team, ça je peux. Je vais vous montrer mon équipe foot. Et j'ai. C'est notamment une équipe assez brésilienne. Pendant FIFA 12, j'ai fini 100% Brésil et vraiment collectif 100%. Donc je suis très fier. Bah, moi j'ai mis mon club avec une collectif 6. J'ai fait long équipe. Alors, l'image est assez parce que j'aime bien l'image. Et je supportais de l'image pour le club. On va avoir bientôt un nouveau stade, donc bientôt, on va en parler dans 2-3 ans, peut-être plus. Donc ce sera le stade de porcelaine, je crois, si c'est bien ça le nom. Enfin, il va être magnifique, j'espère qu'on aura une vraie équipe. Voilà, une équipe assez brésilienne. Enfin, c'est totalement brésilienne. Ça, c'est genre sans contrat. Je vais en remettre. Donc voilà. On retrouve du basique. Pour moi, c'est sur les mêmes. J'aurais bien voulu mettre Thiago Silva, bien sûr, mais il est vachement trop cher. Dédé, c'est celui que je mets tout le temps. Felipe à gauche toujours, Fabio à droite. En gauche j'avais mis. J'ai pas mis juste, j'ai mis Julius César, c'est douce, pas dans FIFA 12. Lui c'est l'être Williams, ouais. Williams c'est un peu baissé au niveau de sa globale. Ça c'est Roberto Carlos, c'est son nom. C'est zéro Roberto Mer. Roberto Carlos, c'est l'immense, c'est n'importe quoi. Lucas, au PSG. Pas très cher d'ailleurs. J'étais assez étonné. À gauche, c'est José Marcio dans l'équipe. Mon premier pack que j'ai ouvert, donc je l'ai gardé. Fred, c'était un joueur de mes derniers premiers packs aussi, donc je l'ai gardé lui aussi. Et lui, je crois que c'était aussi dans le premier pack. J'avais un bon pack. J'en suis ouvert beaucoup de gens. Je suis content, j'ai une bonne équipe. Avec un entraîneur, bon c'est vrai, c'est l'entraîneur qui n'est pas encore brésilien, mais bon, je pense qu'on aura rien bientôt, j'espère. Alors, je trouve qu'il était assez allégé, bon, bien sûr, trop de trucs là-bas, non.
ça, je trouve ça trop, trop gros. Là aussi, trop cool. Alléger. Ils allègent un peu, avec toute la semaine, arrêtez de le foutre partout. Ça, des joueurs, c'est un peu encore ce que je faire. Je vais montrer mon club d'ailleurs dans le classement. Voilà, ça, c'est mes potes. C'est les potes qui ont fait. Tiens, le joueur. Ah, la reset. Non, c'est possible, la reset. Ah non. Voilà. C'est un gros joueur. Vraiment un plus gros joueur. Pas trop jouer. J'ai fait n'importe quoi, désolé. Déjà. Ah, c'est ça. J'ai quand même oublié qu'on fait classement. Voilà. Les échanges, moi j'ai moins 6200. Ouais, 274 000. Il doit acheter beaucoup. Il a acheté beaucoup de packs, lui, il est en boost. C'est pour ça qu'il a beaucoup de bénéfices. Moi j'en sens pas trop mal encore. Voilà du club. Moi j'étais premier sur FIFA 12, j'ai un très très gros niveau de club. Meilleure équipe, j'avais 183 sur FIFA 12. J'étais toujours premier. Mais bon, FIFA 12 c'est pas FIFA 13 malheureusement. Malheureusement et heureusement. Ils sont meilleurs, regardez-moi ça. Ah, c'est des joueurs EA. Ça fait quand même beaucoup, hein. 3 millions si c'est machin. Ah mais c'est n'importe quoi. On regarde le clair combien. 1 milliard quand même. Hein. C'est pas évident. Voilà, évident. C'est une grosse valeur. Meilleure équipe 686. Énorme. Je vois pas pourquoi il y a marqué fondateur foot. Donc je voudrais que je regarde un truc. Aucun de mes amis fondateur foot, c'est bizarre. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié cet événement. Désolé encore pour la perceuse à la con qui a bien fait chier, j'avoue. J'espère qu'on se trouvera assez vite parce que là j'ai eu le temps de dire, bon, ça devrait aller au niveau vidéo. Après, j'espère dans la semaine sur code, essayer d'en faire une sur Close Capture, sur BF3. Et voilà, j'essaie de refaire tourner la chaîne comme il le fallait. Et je vous remercierai jamais assez pour ce que vous êtes et votre soutien que vous me donnez sur le live. Bah, merci à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.